Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler d'une nouvelle mise à jour qui est arrivée aujourd'hui sur GTA Online, mais attention, c'est sur PlayStation 5. Mais juste avant de commencer la vidéo, toujours pareil, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à me lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir. Et vous connaissez la chanson, on peut commencer la vidéo. Alors, je vous ai fait une vidéo hier par rapport à une nouvelle mise à jour, donc c'était vraiment pour toutes les plateformes. Et aujourd'hui, si vous avez une PS5, vous êtes connecté et que vous avez GTA dans votre accueil PlayStation, que vous y jouez fréquemment, notamment, eh bien, vous avez dû voir une mise à jour GTA. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des matchs comme ça téléchargeables, mais en tout cas, il y en a une sur PS5 et encore une fois, c'est que pour PS5, donc pas sur Xbox Series, pas sur PC, pas sur PS4 et ni sur Xbox One. Donc là, c'est vraiment sur PS5, donc si t'es sur une autre console, cette vidéo ne va pas t'intéresser du tout, mais pas du tout. Donc il n'y a pas grand chose dans cette mise à jour, pourtant elle est quand même assez conséquente à télécharger et à installer, mais il n'y a vraiment rien, il y a juste deux choses, donc c'est pour dire à quel point il n'y a vraiment rien du tout. Donc en premier, il y a eu la correction d'un bug qui entraînait une perte de son lors de l'utilisation de Dolby Atmos. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Quand tu sais pas, quand on n'a jamais entendu parler, bien, tu te demandes qu'est-ce que c'est. Alors le Dolby Atmos, tout simplement, c'est un système de son qui se voit plus immersif quand vous l'activez. Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres, son, et je crois que c'est tout en bas, et vous activez Dolby Atmos. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une immersion plus total, des sons un peu plus poussés. Donc voilà, il y avait des petits bugs à ce niveau là et ensuite il y a eu la correction d'un bug qui pouvait aussi entraîner un crash après avoir passé l'écran d'accueil en lançant GTA 5, GTA Online, si vous avez le standalone notamment, toujours une fois sur la console PlayStation 5. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand chose, et c'est pour avoir téléchargé ce fichier là, ouais, je me suis dit, parce que j'ai vu la mise à jour, c'était vers midi, enfin moi je suis rentré chez moi vers 14h, donc j'ai vu ça, j'ai lancé la play, je me suis dit, ah ouais cool, sauf que je m'attendais à avoir pas mal d'informations, et au final quand le patch note est sorti, j'ai vu que deux trucs, je me suis dit, c'est vraiment pas foufou au final. Donc voilà, écoutez, encore une fois, attendez peut-être que ça soit effectif dans votre jeu, je me répète à chaque fois dans les patchs, mais voilà, ou encore une fois, si ça se trouve, ce que je vous dis là n'est pas forcément patché, là c'est vraiment le Rockstar Support qui l'a sorti, donc si ce n'est pas patché, c'est vraiment pas très, comment dire, ce n'est pas très foufou, voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée et bonne journée, ça dépend donc quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis bon game sur GTA Online, c'était BGK, merci à vous d'avoir regardé. Ciao tout le monde!